Good morning, Ali, dans les tutos aujourd'hui, le Nishmat Roset, Bat Sultana, Amram ben Aben Khanapik, Betester, Nissim ben Ahouda, ainsi que Lir Fouat, Efat Mayan Batlea, et Sarah Bracha, Bat Hanarachel, Betor Shahol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah Kotakhtel 5 minutes éternelles, nous étudions Messiachat Abu Dazara, Perek Dalet, Mishnah Zain. Shalou et Azkenim Beromi, Im En Retsonoba Abu Dazara, Lamayno Batela, Amroula En, Ilou le Davar Shen Zorecha Olam Boa Yuovdin. היה מבט לא, הרי אין עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות, יאבד עולמו מפני השוטים? אמרו להן, אם כן, יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, ויניח דבר שצורך העולם בו. אמרו להן, אף אנו מחזיקים ידי עובדיהם של אלו, שאומרים, תדעו להן, תדעו שאין אלוהות, שהרי הן לא בטלו. משנה דה פילוסופי théologie entre les Chachmé Israël, les sages d'Israël et les Romains, qui leur ont posé la question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traduire la Mishnah en expliquant plus ou moins proche du texte. Après, on va revenir, on va expliquer un petit peu mieux la profondeur des questions, la profondeur des réponses. Et donc, comme ça se passe. Sha'alou et Azkenim Beromi. Ils ont posé la question Azkenim à Rome. À Rome, les Romains ont posé la question aux sages. Im en retsonoba avodazara, si Hachem, Dieu, ne veut pas qu'on fasse de avodazara, lama eno mevatela, pourquoi est-ce qu'il ne l'annule pas? Pourquoi est-ce qu'il ne la détruit pas? Alors, ouais, question simple. Si je veux pas que mon fils boive de l'alcool, et bien quand je vois ses bouteilles, je les lui casse, comme ça il boit plus. Même, selon le même principe, si Hachem, le maître du monde, il veut pas qu'on fasse de l'avodazara, et bien pourquoi il ne détruit pas l'Avodazara? Qu'il fasse que dès qu'on fait une Avodazara, dès que quelqu'un va servir une Avodazara, on va voir la statue exploser, se fondre. Pourquoi il la laisse? Et les gens se trompent après elle. Amrou la haine. Alors les sages leur ont rétorqué, répondu. Si les païens servaient des objets, des choses qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour le monde, ouais, ilou, si les davars pour quelque chose chez Enzorecha ou la Olambo, qu'il n'y a pas de besoin pour le monde en lui, Ayu Ovdim, il servait. Donc s'il servait quelque chose qui n'avait pas de nécessité pour le monde, Ayam Evatlo, il n'aurait pas eu de problème de les annuler. Le problème c'est quoi? Que Aren Ovdin la Chama vela Levana, et la Kochavim vela Mazalot. Voilà que les païens servent le soleil, la lune, les étoiles, les zodiaques, Yabed, Olamo, Mipene, Ashotim, alors quoi, Hachem il va, à cause de ces idiots, de ces sots, les Shotim, alors Hachem fait, il va supprimer ces choses qui sont tellement essentielles pour le monde. Est-ce que le monde peut vivre sans soleil? On a besoin du soleil. Alors il y a des idiots qui ont décidé de diviniser le soleil, tant pis pour eux, Hachem il va pas annuler le soleil. Premier élément de réponse, première étape de réponse. Amrou la haine. Alors ils sont venus les Romains à la charge et ils ont reposé une question de nouveau. Imken, si c'est ainsi, qu'en fait, qu'Hachem ne détruit pas le soleil parce qu'il en a besoin pour le monde, il ne détruit pas la lune parce qu'on en a besoin, les étoiles, les zodiacs, on en a besoin. Mais quand même, il y a bien des avodazara qu'on n'a pas besoin. Il y a abed davar chez Enzorech la Olambo, veyaniach davar chez Enzorech la Olambo, qu'Hachem détruise les statues idoles qu'il n'y a pas en eux de besoin pour le monde, et qu'il laisse vivre les idoles, les divinités, que malgré tout, il y a un besoin pour le monde. Soit, il y en a qui servent le soleil, et il y en a qui servent le boudou. Eh bien, le soleil, il y en a besoin, on en a besoin sur Terre, donc Hachem, il le laisse, et les boudous, alors Hachem, il va faire qu'ils vont tous fondre. Mais au moins, que les gens ne voient pas que la voie d'Azrael peut continuer, elle peut perdurer, vivre, rester entière. Pourquoi Hachem ne la détruit pas? Amrou la haine. Alors les Chachamim leur ont rétorqué, au contraire, oy vavoy. Af anu machazikin yodei ovdehem shel elu. Littéralement, même nous, af anu machazikim, on va renforcer yede, les mains ovdehem shel elu, ceux qui servent ces divinités. Même nous, on se serait mis à renforcer, à féliciter ceux qui servent le soleil et la lune. Pourquoi? Si c'était le cas, on va expliquer tout de suite. Shomrim, parce qu'ils auraient dit,
Tedou she'en elohot, sachez quelles sont des vraies divinités. Share hen lo batlu, puisqu'elles n'ont pas été annulées. Soit, on reprend un petit peu d'abord, on va le faire en deux temps. Ils ont posé, les Romains ont posé une question, Chamim, ils ont dit, pourquoi Hachem laisse-t-il la Avodah Zarah exister? Il devrait la détruire, puisque ça va contre sa volonté. Dès qu'on va prendre une chaise, on va se prosterner, un arbre, le soleil même en théorie, quelqu'un il va se prosterner, il va le dire, toi tu es le Dieu qui a créé le monde, Hachem il aurait dû se fâcher et faire que cette chose-là va disparaître tout de suite, immédiatement. Chachamim ont dit non, on ne peut pas le faire parce que il y a des Avodah Zarah qui sont malgré tout nécessaires pour le monde, c'est-à-dire le soleil, on en a besoin pour le monde, la lune, les arbres, on en a besoin aussi. Donc finalement, Hachem les laisse parce que, certes, il y a des idiots qui se trompent après eux, mais il y a quand même des gens bien qui en profitent, justement, et donc on ne va pas les priver. Alors ils ont posé la question, mais je ne comprends pas, il y a quand même des Avodah Zarah où il n'y a aucun intérêt pour le monde. Par exemple, une petite statue de Bouddha ou de je ne sais pas quoi, ça va quoi, si ça n'existe pas sur Terre, on va pas... Ça ne va pas nous entraver, ça ne va pas entraver notre vie. Alors là, Chachamim nous ont répondu une super réponse. Ils ont répondu comme ça, très simplement. Ils ont dit, vous imaginez la catastrophe? Imaginez qu'il y avait des gens qui servent le soleil et des gens qui servent le Bouddha. Et un jour, on se lève, on remarque que tous les Bouddhas et toutes les croix et tous les trucs, tout a disparu, et il ne reste que le soleil. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire, ceux qui servent le soleil? Ils vont dire, regardez, le soleil s'est vengé aujourd'hui. Il a détruit toute la Avodah Zarah et lui seul est resté. Ouais, donc du coup, on va donner davantage d'honneur aux autres divinités qui a une nécessité pour le monde, que du coup, elles vont rester fortes. D'accord, c'est clair? C'est ce qu'ils ont dit. Donc la dernière réponse qu'ils ont rétorquée, nous aussi, donc, on se serait mis nous-mêmes à dire vraiment, là, je comprends que vous servez le soleil, parce que regardez le soleil. Lui continue à exister alors que les autres statues, elles ont toutes été détruites la nuit dernière. Donc de ce fait, pour ne pas redonner du blason et de l'honneur aux autres statues, aux divinités qui ont Sheyesh, la Olam Tzorech Bahen, aux divinités qui sont nécessaires pour le bon déroulement du monde, alors Hachem a dit, on ne fait aucune différence, on laisse tout le monde vivre. On laisse tout le monde exister, et puis tant pis. S'il y en a qui veulent se tromper et faire de la Avodah Zarah, quelque part, on est là sur Terre pour être éprouvé, pour surmonter les épreuves, et aussi, malheureusement, il y en a qui préfèrent se laisser aller et tomber, tant pis pour eux, ils payeront ensuite bien cher. D'accord? Maintenant, on va juste deux petits points très intéressants, qui sont soulevés ici par les Mefarchim, essentiellement dans le Tosot Yom Tov, tout se retrouve. Une première question d'abord sur la question des Romains, un peu vicieuse leur question, leur dit, si Dieu est tellement, haït tellement la Avodah Zarah, pourquoi est-ce qu'il ne l'annule pas? De leur question, on comprend qu'ils reconnaissent qu'il y a Dieu, et qu'ils viennent... Et qui pose une question, mais finalement, Dieu, il a qu'à annuler la Avodah Zarah. Alors quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Dieu ordonne qu'on soit au veille de la Avodah Zarah? Okay. Il y a un problème de... D'accord? C'est-à-dire, on comprend de leur question qu'en réalité, ils reconnaissent quelque part qu'il y a un maître du monde, mais ils affirment que ce maître du monde, il veut qu'on fasse la Avodah Zarah, qu'on se mette à servir des idoles. Et il y a quelque chose de pas logique. Alors le Ran, il explique qu'en réalité, il y a quelque chose d'assez logique en réalité. Les goyim, pendant longtemps, on pense, ils pensaient comme ça, qu'il y avait certes le Dieu suprême, mais qu'il y avait des subordonnés. On est tous d'accord qu'il y a des subordonnés, qui c'est pas des dieux, des anges, des zodiaques, il y a plusieurs niveaux. Le problème des goyim, il est que eux affirment qu'il faut aussi servir le subordonné. On n'a pas tellement affaire aux grands maîtres du monde, on a plutôt affaire aux subordonnés, donc il faut les servir. Et en fait, c'était ça leur question que leur ont posée. Si Hachem ne veut pas qu'on les serve, il a qu'à les supprimer, puisque du coup, tu te rends compte, devant le roi, tu te mets à prendre le petit ministre et à lui embrasser les mains et à te prosterner devant lui, c'est la honte pour le roi. Pourquoi le roi, il tranche pas la tête de ce ministre? D'accord? C'était ça en fait la question qu'ils avaient. Maintenant, il y a une question un petit peu originale, un sujet intéressant aussi dans le Tosot Yom Tov, c'est que finalement, bon, alors Hachem ne va pas détruire la Avodah Zarah. Mais pourquoi Hachem ne se met pas à détruire les peuples païens, tout simplement? Sur ça, le Tosot Yom Tov explique que sur ça, il n'y avait aucune question. D'une part, parce que d'abord, on remarque qu'à un certain moment, les peuples païens finissent par périr systématiquement. Durant toute l'histoire, il y a eu des tas, à leur époque, déjà tous les Knaanim, par exemple, jusqu'à qu'à un moment, ça veut dire Hachem, il est la sphère, jusqu'au jour où il dit, bon, allez, ça y est, stop, basta, on arrête, on met un terme, et il extermine tout le monde. Donc sur ça, il n'y avait pas de question. D'autant plus qu'à part ça, on est venu sur Terre, comme j'en évoquais, on est venu sur Terre pour travailler, avoir des épreuves qu'on surmonte.
Et donc de ce fait, imaginez que tout païen qui va se mettre à faire la Avodah Zarah, il va se prosterner, il va plus pouvoir se relever. Du coup, il y aura plus de Bechira, il y aura plus de Débois Ruyetre. Donc sur ça, ils n'avaient pas de question. Pourquoi Hachem laisse les païens en vie? La question elle était juste par rapport à la Avodah Zarah elle-même. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.